a pris trop de retard au début du match. Donc en étant à moins 10 à la mi-temps contre une équipe comme ça, solide, c'est difficile. Voilà, on a eu un trou au début de match, on a beaucoup subi, on n'était pas prête sur les impacts, surtout sur en attaque, en défense, elle nous pressait de tous les côtés. On sait qu'elles jouent comme ça, elles sont très agressives et on a mis du temps à réagir en fait à cette agressivité-là. Voilà, résultat, moins 8. Bah, si j'avais une meneuse, voilà, ça change complètement le match aussi. On perd exactement 25 ballons. Donc en perdant 25 ballons à ce niveau-là, c'est pas possible. On se fait manger au rebond aussi. 39 pour Arras, 31 pour Aulnois. On est à moins 14 et à un moment, je crois que c'est même moins 19 ou moins 16 et on revient. À chaque fois qu'on est au moins 4, on revient à moins 4, on refait une connerie derrière et on les laisse repartir. Donc après, c'est compliqué, quoi. On travaille le projet et j'en parlerai une fois que je l'aurai exposé aux membres du bureau. Mais de toute façon, ce qui est sûr, c'est que Aulnois rebondira. S'il y a des gens qui nous croient déjà morts, tant que je serai là, ça rebondira. Donc on s'engagera pour la nationale unité.